Bonjour, nous sommes le samedi 11 juin 2022 et en France, demain, élection législative et ô divine surprise, la gauche est en tête des sondages. Alors oui, bon, il y a encore parmi les candidats quelques pro-Poutine égarés ou crypto-pro-Poutine égarés. Je ris à mon crypto, ça fait partie du. C'est pas un renvoi aux crypto-monnaies, non, c'est un renvoi au vocabulaire des années 50 et 60, où on parlait de crypto-communiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'affirme pas communiste, mais qui, en réalité, dans l'ombre, la nuit, quand tous les chats étaient gris, était en réalité un communiste. Bon, il y a donc quelques cryptos pro-poutiniens quand même, non, égarés dans la gauche. Mais ça fait rien, ça fait rien. Bon, moi je suis belge, vous savez, mais il n'y a pas d'hésitation sur quel bord je me trouve. J'ai beaucoup d'hésitations, non pas d'hésitations, en fait j'ai des réserves véritables quand vis-à-vis de tout ce qui est l'expression du rouge-brun, c'est-à-dire les clins d'œil faits à l'extrême droite de l'intérieur de la gauche. Ça, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est un piège. Un piège. Les rouges-bruns, un jour ou l'autre, ils deviennent bruns, ils se révèlent tels. Ça, c'est une des leçons de l'histoire. Quand l'occasion se présente, ils oublient tout à fait qu'ils avaient été rouges un jour et ils deviennent bruns. Bon, il y en a dans l'histoire de France, il y en a dans l'histoire de Belgique, il y en a un peu partout, des exemples de ce que je viens de dire. Mais en attendant, n'hésitons pas, d'autant plus, je dirais que c'est vraiment c'est une surprise. La gauche revient de loin avec. J'en fais le compte rendu depuis quoi, 13 ans. Ouais. Là, il faut pas. Là, il faut sauter dessus. Hein. Il faut pas laisser passer en disant ouais, j'allais dire tous pourris. Mais ça, voilà, tous pourris, c'est du rouge-brun typique. Voilà. Pourquoi? Parce que tous pourris, c'est un slogan de l'extrême droite des entre-deux-guerres. C'est pas recyclable. C'est pas recyclable ensuite pour être de la gauche. Non, c'est trop marqué. De même du balai. C'était le mot d'ordre du parti rexiste, du parti nazi en Belgique. Il y a des choses malheureusement qui sont condamnées parce que ça a été utilisé de manière systématique par l'extrême droite, comme tous pourris ou du balai, voilà, à éviter absolument. Bon, mais c'est pas de ça que je voulais parler, je voulais parler de la montée du fascisme. On a aux États-Unis, on a vraiment, si on veut étudier ça, si on se demande, si on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'Allemagne de Weimar qui a permis la montée au pouvoir d'Hitler, il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis depuis 2015. Alors j'en fais entre 2015 et 2020, j'en ai fait un compte rendu presque quotidien, mais ça continue, ça continue. Alors les démocrates en ce moment sont très très contents parce que il y a une démocrate plus quelques républicains comme M. Kitzinger, Madame Liz Cheney. Mais très très content parce que voilà, ils font la démonstration qu'il y a vraiment eu un coup d'État par M. Trump, c'est clair. On a même parmi les témoins qui viennent expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on a même sa fille Ivanka, on a même son beau-fils Jared Kushner. Et voilà, on va montrer au pays que Trump est un fasciste, qu'il a fait un coup d'État et que voilà, que c'est dégueulasse. Bon. En se disant, ceux qui ne sont pas encore convaincus de cela vont changer d'avis. Voilà. Ils vont se dire, oui, non, c'est vrai, c'est une menace pour la démocratie, etc. Ce qu'ils ne voient pas, dans leur naïveté confondante et immense, c'est que de l'ordre de 40% de la population américaine regrette que M. Trump n'ait pas réussi son coup d'État. Ce n'est pas qu'ils soient indignés de ça, ils regrettent seulement que ce n'ait pas réussi. Ils veulent un coup d'État fasciste avec M. Trump comme président. C'est ça qu'ils veulent. Ce ne sont pas des égarés à qui on ouvrira un jour les yeux.
C'est ce qu'on avait pensé aussi pour les, voilà, pour les, tous les représentants du Parti républicain. Oui, ils ont trop peur des électeurs, mais en réalité, ce sont des gens très gentils, etc. Il y a pu avoir un moment d'hésitation. C'est justement en 2015 et en 2016, au moment où, de la montée de Trump à l'intérieur du Parti républicain, au moment où dans les primaires, il balayait tous les autres candidats, et on se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire, etc. Et moi aussi, à l'époque, je l'ai dit, le Parti républicain va se ressaisir, va se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Et là, erreur de ma part, non, le Parti républicain, en fait, attendait depuis un moment, depuis de nombreuses années, que se présente un candidat avec le profil de Trump. Et on allait suivre. Et c'est ce que ses représentants font maintenant. Quand M. McConnell, quand M. McCarthy, respectivement à la tête de la représentation du Parti républicain au Sénat et à la Chambre, au Congrès, quand on montre des vidéos où le lendemain du coup d'État disent c'est dégueulasse, il faut qu'on arrête ce type, etc. Et quelque temps plus tard disant quoi, non, on parle de quoi, non, on n'est pas au courant. Ah si, si, oui, le démocrate s'agite, mais enfin bon, les démocrates s'agitent toujours, etc. C'est-à-dire la complicité simplement des gens qui vont là où ils voient leur rapport de force et ils sont revenus à l'idée que Trump allait gagner en 24, aux élections présidentielles en 24, avec probablement une victoire des républicains aux élections législatives de 22. Et contrairement à Madame Ivanka, fille de l'ex-président et du gendre, eux sont convaincus que voilà, qui va passer. Monsieur Navarro, quand on l'arrête pour être un des, comment dire, un des grands orchestrateurs, grand planificateur du coup d'État, qu'est-ce qu'il dit aux caméras des journalistes? Vous allez voir, les démocrates, la prochaine fois, c'est nous qui vous coffrons tous. Vous allez voir, ça va encore être autre chose. Donc, est-ce qu'il a peur, Monsieur Navarro? On ne peut pas dire vraiment. Lui, il est convaincu que le vent va dans son sens. Et je vous l'ai montré depuis 2015, depuis 2016, quand je parle de la montée de Trump. Et puis, j'espérais sa chute. J'ai parlé de la chute de la météorite Trump. Mais c'était un souhait, c'était peut-être une prédiction. Je croyais peut-être à la capacité du peuple américain de résister à la montée du fascisme. Mais ce qui se passe depuis 2016 et le pétard mouillé qu'a été l'élection de Monsieur Biden, je suis très 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 inquiet. Les majorités républicaines sont en train de verrouiller les élections dans l'ensemble des États où ils ont le pouvoir en ce moment, en faisant passer des lois qui, de fait, barrent l'accès aux électeurs qui voteraient démocrates, hein, sous des prétextes quelconques, diminuer les bureaux de vote dans les endroits où les gens votent démocrate, du gerrymandering, c'est-à-dire bon, du découpage de circonscriptions électorales qui sont faits comme ça, pour découper exactement tous les quartiers, pour avoir des majorités républicaines dans chacune des circonscriptions, etc. Ils n'ont pas peur. Pendant que donc la commission démocrate. Je l'appelle démocrate, comme la commission d'enquête sur le parti, sur le du sur le la, le coup du 6 janvier 2022, pendant qu'ils présentaient ça, ils essayaient de montrer ça sur la plupart des chaînes. La chaîne Fox, qui est complètement acquise à Trump, présentait une contre-version de ce qui s'était passé. Et plus on nous montre des témoignages, bien sûr, de policiers qui ont été blessés, plus on nous montre le massacre que ça a été à certains moments, cette prise du Capitole, plus, bien entendu, de l'autre côté, on nous dit fake news, des montages, etc. La doctrine Gerasimov tourne à plein aux États-Unis. Monsieur Poutine doit se lever tous les matins, regarder les nouvelles des États-Unis et se frotter les mains. Son bonhomme à lui est toujours là et il marque des points tous les jours. Bien entendu, après la présentation de la première présentation de la commission du 6 janvier,
Trump a bien sûr dit fake news, tout ça est bidon, etc. Et on croit du côté démocrate, et c'est ça qui a dû se passer aussi en Allemagne, qui deviendra nazie par la suite. On joue le jeu des institutions, et les institutions, on l'a vu, les contre-pouvoirs ne jouent absolument pas. Il y a trop de possibilités pour un président, dans des cas d'urgence et autres, voilà, de bypass, de court-circuiter les institutions démocratiques. Il y a des effets de cliquet. Et ça, j'attire toujours l'attention là-dessus, ça existe en Europe comme aux États-Unis, un effet de cliquet. Pour des mesures de gauche, il faut des majorités des deux tiers, et pour des mesures de droite, il suffit de dépasser les 50%. Et qu'est-ce qui a permis ça? Pourquoi est-ce que c'est permis? Eh bien, c'est à cause de notre idéologie, du système capitaliste environnant, qui a toujours l'art de présenter les solutions de droite comme étant purement techniques. Regardez ce que vient de dire un fameux professeur d'économie au Collège de France. Le Collège de France devrait un peu améliorer son jeu, qui a dit, voilà, toutes les erreurs du programme de la NUPES d'un point de vue économique, et tout ça, ce sont des clichés. Ce n'est même pas des clichés, ce sont des slogans de la science économique. Je mets toujours ce mot science entre guillemets, ce n'est pas une science, c'est un discours idéologique. Et un professeur d'économie au Collège de France vient utiliser j'allais dire sa science, mais ce n'est pas sa science justement, pour produire un message de plus idéologique, soutenu bien entendu par tous les prix Nobel du monde, le prix Nobel étant l'émanation d'un petit groupe d'extrême droite, il faut le rappeler, qui s'appelle le club du Mont Pèlerin, qui avait été financé, il faut le savoir, financé essentiellement par les milieux d'affaires suisses. Ils ont produit le groupe du Mont Pèlerin, et ce groupe du Mont Pèlerin a produit le prix Nobel d'économie, où les membres du club du Mont Pèlerin s'auto-proclament prix Nobel d'économie, et ça continue. Et malheureusement, on peut avoir aussi des accidents supplémentaires, de nommer au Collège de France quelqu'un qui représente simplement, je dirais, un groupe de pression, un lobby du monde des affaires. Donc c'est très très mal barré aux États-Unis. Raison de plus pour aller voter demain et pour aller voter pour quelque chose d'un ordre tout à fait différent, malgré ce que j'ai pu dire sur les tentations qui existent toujours dans la gauche de se rallier en fait à des socialismes nationaux, suivant mon regard. Il faut résister. Nous sommes là à dire, nous sommes dans le camp des Américains, on va sauver l'Ukraine, etc. Mais pendant ce temps-là, ces États-Unis, eux, sont en train de s'écrouler sous le poids de partisans de fait de Poutine aux États-Unis. On l'a vu à l'œuvre. Vous savez mon opinion sur le fait que Trump est un agent russe, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 1985. Il y a même des soupçons que ça puisse dater d'avant, qu'au moment où il visite la Tchécoslovaquie, que son beau-père de l'époque, qui lui travaille pour les services secrets de Tchécoslovaquie, communiste à l'époque bien entendu, que Trump ait déjà été abordé à ce moment-là. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas du complotisme, c'est mettre les choses dans leur cadre, c'est de situer le contexte. Ça fait des années que je dépeins un portrait des États-Unis dans cette perspective-là. Je n'ai pas encore eu de démenti. Oui, je sais, dans la presse d'extrême droite américaine, on nous dit que le rapport Steele est discrédité depuis très longtemps, que ceci, que cela. Tout ça, c'est toujours, même à l'intérieur, quand c'est dans l'éditorial du Wall Street Journal, c'est toujours le même type de propagande venant du même endroit. Voilà. La NRA, National Rifle Association, c'est pratiquement un club pro-Moscou à l'intérieur des États-Unis, et il y a à l'intérieur
Editorial Board, voilà, le comité éditorial de Wall Street, du Wall Street Journal, il y a un certain nombre de gens qui ont des sympathies pour Poutine, véritablement. Bon. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut pas le nier de peur d'avoir de paraître dire des choses, je dirais, extravagantes, mais tous les faits vont dans ce sens-là. Si vous regardez les études scientifiques qui sont faites pendant ce temps-là sur l'infiltration, sur le jeu des groupes de pression dans les élections présidentielles américaines de 2016, un peu moins en 2020, mais dans le vote du Brexit et également dans un certain nombre de choses, il n'y a aucun doute, les données sont là. Voilà, si vous êtes français, allez voter demain, votez dans la bonne direction, parce que les périls sont tout autour de nous. Il y a la guerre proche, il y a la montée du fascisme aux États-Unis qui poursuit sa montée inexorable. Voilà, allez, à bientôt.